Bien, salut tout le monde, c'est Lenild et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes sur la map Karachi d'MW2 pour un commentaire. Donc c'est une vidéo totalement différente des autres. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai retrouvé donc Modern Warfare 2, qui a été un de mes premiers FPS. Donc j'étais super content. Donc du coup je l'ai ramené chez moi parce que je l'ai retrouvé chez mon père. Je l'ai ramené chez moi, donc je l'ai installé. Donc là ça doit être une de mes premières parties. Je sais pas du tout quelle partie je choisirai au montage. Donc c'est une de mes premières parties. Excusez-moi, vous aurez pas un très beau gameplay. De toute façon je cherche pas à faire des kills. C'est pas mon intérêt. Mon intérêt c'est plutôt de m'amuser. Voilà, de jouer. Donc avant je jouais à Black Ops 2. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le troisième avant le dernier. C'est un peu bizarre. Le troisième en partant du début, voilà. Non, troisième partant de la fin. Donc c'est un des... Il est quand même assez récent. Donc on peut aussi jouer à un mode zombie. Bon bref, on s'en fiche. Et donc, je suis passé sur ce jeu et j'ai remarqué déjà que les graphismes étaient quand même très jolis. Pour un jeu qui date de 2002. Non, pas 2002, je vous dis une énorme connerie, je pense. Bon bref, je sais pas du tout quand il est sorti. Mais il est sorti quand même il y a longtemps. Il doit avoir au moins 5 ans, ça c'est sûr. Et j'ai remarqué que les graphismes étaient quand même super. Parce que... par rapport à Black Ops 2 en tout cas, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Même si la communauté n'est pas top. Tandis que là, sur MW2, bon bien sûr, il y a des hackers. Il y a des rageux. Ça, sur tous les Call of Duty, tout le monde le sait. Mais voilà, c'est les gens ils jouent bien. C'est avec des bonnes armes, c'est pas avec des armes de gros kikou. Les séries aussi, c'est pas des séries vraiment trop cheatées, on va dire. On peut pas faire n'importe quoi. On va dire que tout le monde a à peu près le même niveau. Vous voyez, là j'ai commencé. Je crois que je suis niveau 4. Oui, j'ai commencé niveau 4 tout simplement parce que autrement vous n'auriez pas. Enfin, je n'aurais pas pu choisir mes classes. Vous savez, il faut tout le temps au début jouer un peu avec les classes qu'ils vous proposent. Classe personnalisée 1, bon bref. Et ensuite, vous les débloquez. J'ai attendu de les débloquer pour m'exercer un peu, pour pas vous refiéguer de la merde. Oh là, j'ai débloqué un drone, tiens. je ne sais pas du tout comment je vais faire de ratio parce que... Donc je vous le dis, c'est un commentaire, donc j'enregistre ma voix après. Je veux dire, je me souviens plus du tout de ce que j'ai fait. Je l'ai tourné cet après-midi. Donc cette vidéo aussi, c'est pour moi un test pour voir si mon Avermedia marche bien. Donc j'ai eu pour Noël un Avermedia. Le nom, je ne sais plus du tout lequel c'est. En vrai, c'est un petit boîtier qui vous permet de filmer sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii et Wii U et PC. c'est quand même vachement bien. En plus, je crois que ça filme en 1080p, 60 fps ou 30. C'est quand même super pour le prix auquel je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu à 140€ avec une carte SD. C'est correct. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu à Noël et là j'étais en train de le tester cet après-midi. Donc apparemment c'était difficile à brancher, mais écoutez. Moi j'ai pas trouvé cela très dur. Tout simplement parce que je me suis pas posé de questions, j'ai branché comme il fallait. Enfin j'ai regardé des vidéos, ça m'a beaucoup aidé. Si vous en achetez un, regardez des vidéos sur YouTube. Ce sera beaucoup plus simple. Je vous assure, vous verrez. Voilà, vous aurez une image tandis que c'est vrai que le guide c'est beaucoup plus difficile. Ouais, je suis très content de cet appareil, même si on verra quand il sera sur YouTube, hein, bien sûr. Quand ce sera sur YouTube, ce sera la 1080p ou alors de la 720. Bon, de toute façon, 720, ça risque de... C'est bon, c'est bien quand même, c'est de la bonne qualité. Et ça prend aussi moins de temps à se mettre en ligne. Donc voilà, en fait, c'est vraiment tout con. Vous appuyez sur un bouton, ça filme. Et vous rappuyez sur le bouton, ça ne filme plus. C'est vraiment un truc tout con, c'est comme Fraps, d'autres logiciels de... pour filmer par exemple Camtasia. Donc Camtasia c'est un peu plus complexe. Bon bref, je m'égare un peu. Ouais, j'étais très content de retrouver Modern Warfare 2 parce que c'est vraiment un jeu qui a bercé mon enfance. Bon bien sûr, excusez-moi la déterre, mais bon, dans les jeux vidéo on va dire qu'on parle comme ça. C'est pas comme un livre ou une série télé qu'on regardait quand on était petit. Moi c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Parce que au point de vue de la campagne, quand je vois la campagne des d'autres Call of Duty, je trouve que c'est vraiment moisi quoi. Enfin c'est pas du tout intéressant, tandis que cette campagne là, on a avec Shuri, Captain Soap, enfin, c'est vraiment super. On est dans la neige, enfin, bon ouais, je vous spoil pas tout si vous voulez acheter le jeu, mais je veux dire c'est quand même un jeu super.
Voilà, étant donné qu'il est sorti il y a quand même assez longtemps. Donc, pourquoi je fais sur Modern Warfare 2 et pas sur un autre jeu? Bon, bah déjà parce que je l'ai retrouvé, je l'ai eu gratuitement. Mais aussi parce que les Call of Duty en ce moment, ils commencent à m'énerver un petit peu. Je trouve que ça devient trop futuriste. Après, apparemment, l'Advanced Warfare est super. J'ai plein d'amis qui l'ont acheté et qui me l'ont conseillé. Mais moi, je ne pense pas que je vais l'acheter tout simplement parce que je n'aime pas les jeux trop futuristes. Et là, en l'occurrence, avec les exosquelettes, les tâches qu'on peut faire, ça a l'air n'importe quoi. Moi, en tout cas, j'aime pas du tout ça. Donc, c'est pour ça. Moi, je vais rester sur des anciens jeux qui m'ont beaucoup plu. J'ai testé aussi un peu le sniper. Le fameux Barrett qu'on peut retrouver aussi. Dans une dans le zombie de Black Ops 2 ou de Black Ops 1, je sais plus, avec la boîte magique. Je m'y connais beaucoup, hein, par contre, sur Black Ops 2, c'est vraiment à part MW2, je joue qu'à ce jeu à peu près, de dire. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir retrouvé ce jeu. Dites-moi en tout cas si ce que je vais faire vous plaît, si je bafouille pas trop. C'est la première fois que je fais ce genre de commentaire. C'est vrai qu'en jouant, c'est simple de commenter, mais voilà, c'est pas la même chose. Il faut savoir bien argumenter pour savoir vous plaire. Donc je pense que je vais en refaire d'autres, que ce soit sur Black Ops 2, GTA ou peut-être des jeux fun, hein, des vidéos délire. Je verrai. Donc si vous voyez que... voilà, j'argumente pas, dites-le moi en commentaire, si vous mettez un pouce rouge, hein, ça me fait plaisir. Non, ça me fait pas plaisir, mais voilà, vous me comprenez. ça peut m'aider. Donc, je vais vous laisser là, les amis. On devrait être dans les temps. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc, je reprends les vidéos comme je suis rentré de vacances. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.